Salut la famille. Voilà, je voulais intervenir sur la situation que nous sommes en train de voir actuellement sur la toile concernant Prince Aimé et Jenny Solo. Je vais dire ma part avant que vous négligiez. C'est pas mon problème. Voilà. Je voudrais d'abord commencer à demander à Pifo et Gâteau de laisser leurs problèmes de côté. Ne mélangez pas vos problèmes avec le problème de Jenny Solo et Prince Aimé. La situation de Happy devrait vous interpeller. La situation de Happy actuellement devrait vous servir de leçon. Vous vous rappelez quand les Cancan Boys s'étaient levés pour réclamer leur musique en disant que Happy avait volé leur musique. Tout le monde insultait, donc les fans de Happy en ce temps-là insultaient les Cancan Boys. Où sont passés ces mêmes fans aujourd'hui qui insultaient les Cancan Boys? Je vois beaucoup en train de dire vraiment. Moi-même, j'ai dit ça dans une vidéo que pourquoi Pifo a attendu ce moment-ci? Parce que vous êtes en train de critiquer aussi Gâteau, que Gâteau est devenu subitement manager de Prince Aimé. Qui est donc le manager? Gâteau vous a expliqué, vous a dit le pourquoi il s'est porté garant. Il s'est autoproclamé manager. Nous tous, on a compris. Pifo, ce que je vous ai demandé, je ne soutiens personne, hein, parce que les gens vont croire peut-être que je soutiens Gâteau. Non, 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 c'est votre game là-bas. Je m'en fous. Moi, je commence ce que je vois sur la toile. Je vous ai demandé à Pifo, pourquoi tu as attendu ce moment-ci pour parler de l'affaire de Jenny Solo? Parce que j'ai entendu même Tata Lolo. C'est Tata Lolo. J'ai entendu beaucoup de directs. Apparemment, c'est depuis plus de 10 ans, depuis des années, en fait, je ne sais pas combien d'années, que Jenny Solo réclame cette musique à Prince Aimé. J'ai entendu même les noms des enfants Thomas, des Dang, beaucoup de célébrités, beaucoup de grands artistes camerounais dedans. Pourquoi donc? Puis, faut que tu approuves le projet là aussi maintenant. Parce que tu as vu aussi Gâteau. Laissez vos problèmes de côté, mon frère, de ma part, pour éviter le pire demain. Moi, je pense que faites d'effort que les deux là, nous, ce sont des frères camerounais. Ce sont des frères. Faites l'effort que Prince Aimé et Jenny Solo se mettent ensemble. On n'évolue pas avec la guerre. On n'évolue pas avec la division. Faites l'effort d'unir d'abord les deux artistes là. Je ne suis même pas par rapport à ceux qui disent que non, surtout. Bon, je ne vais pas prononcer le nom qui disent que Desbordeaux doit aussi rencontrer Jenny. Non. Ce n'est que le rapport entre Prince Aimé et Jenny Solo. Là, c'est mon point de vue. Desbordeaux n'a rien à voir là-dedans. Desbordeaux, le rapport de Desbordeaux, c'est uniquement avec Prince Aimé. Là, c'est mon analyse personnelle. Donc, Pifo, je sais que tu me suis. Même Gâteau me suit. Les gars, s'il vous plaît. Chercher à résoudre ce problème-ci. Et ça, c'est le moment, plus que jamais. Parce que j'ai même vu sur la toile tellement de plaintes au Cameroun. Il y a également Sergio Polo, qui est en train d'accuser actuellement, j'ai vu ça sur la page Mondo Vision TV, qui est en train d'accuser actuellement Nono Flavie et Dany. Que oh, l'ingratitude dans le monde. Où il avait produit, il avait composé le Marie Cavaleur, tout ça, auteur-compositeur Sergio Polo, celui qui avait même produit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. Donc, on n'a pas encore fini avec l'affaire des Princes Aimés. Voici, il y a Sergio Polo qui sort sa part dans ces placards-là. Hein? Sais pas si vous comprenez. Donc, ça commence toujours comme les étincelles. Après, ça devient la flamme. Et quand ça devient la flamme, nous sommes toujours ici sur Facebook. Les pleurs nous viennent nous retrouver ici. Ne négligez rien. Ne blaguez pas, s'il vous plaît. Ça, c'était mon opinion. Pardon. Si depuis des années, l'artiste là réclame les droits sur sa musique. Puis il faut dire qu'il est dans un fin fond village. Il ne vous demande pas des millions.
J'ai écouté Prince Aimé se défendre. Mais je n'ai pas aussi apprécié certains mots que Prince Aimé a prononcés. Traiter des méchants. Et si tu si Prince Aimé raconte donc tout ça, c'était en présence de toi, son manager. Son soi-disant manager. Bon, disons son manager actuel. Puisque tu fuis, tu reviens. Tu fuis, tu reviens. On ne sait pas si tu es encore manager ou si tu n'es plus. Puisque tu dis que tu as amené à laver les mains. Ton objectif était de le mettre en contact avec des Bordeaux. Ok. Maintenant, si après enquête, c'est vrai que Jenny Solo est l'auteur de la musique. Bientôt, tu vas te mirer maintenant et le public camerounais va te regarder comment. Donc, tu vas te mirer, tu vas te voir comment dans ton miroir. Moi, je pense que tu devrais tout faire, gars. Gâteau, cherche toi-même à rencontrer Jenny Solo et comprends la version de Jenny Solo. Parce que quand il y a un problème comme ça, ne suivez pas seulement une partie. Oh. Écoutez les deux parties. On ne sait jamais. Écoutez d'abord bien les deux parties. Parce que là, au moins, il faut connaître les deux parties. Mais je ne pense pas que Gâteau connaît l'autre partie. Je voulais aussi demander à Pifo, mais vous avez dit qu'il avait chanté en baganté avant que Prince Aimé a repris en français. Mais sortez-nous la version dont en baganté, là, nous-mêmes, on écoute le rime. Parce que vous parlez seulement, il n'y a pas de... C'est les preuves. Pourquoi donc il passait seulement par les artistes pour réclamer? Est-ce qu'il n'y a pas la justice? Il a essayé de porter plainte. C'est ça, tout ça, qu'on... Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672-30-37-85-697-39-27-28.